Regardez-moi. Alors là, ça y est, ah, ça sort et du feu. Oh là, ça, là, la bête, c'est cuit en temps réel. Elle est très forte. Je crois que c'est une première dans cette émission. Je ne sais pas, mais c'est cuit en temps réel. Donc ce sont, pour ces messieurs, les spectateurs, des pilons de poulet, Babette. Pilons de poulet au lait de coco et à la vanille. Bon, non, force de record, je tiens à dire qu'en fait, pour moi, c'est du tofu. Oh, ma copine est végane, elle va voir cette émission. D'accord. Ah, donc bon. Alors, une recette de tofu. Tout à fait. Hein, bon, hein, coco, ça sent super bon. Ah, n'est-ce pas, ça sent, elle est très forte, Babette. Bah écoutez, c'est mon métier. Bah oui. Ah oui, bah oui, très bien, Babette. C'est pas le cas. Allez-y, merci beaucoup. Testez. Donc, ce pilon de tofu, hein, très, très épais. Et donc, on rappelle qu'il y a beaucoup de curcuma dedans, Babette, qui est à la fois en poudre, mais aussi de la pâte. Voilà, exactement. Parce qu'il faut savoir qu'à la cuisine réunionnaise mauricienne, on pense que c'est du curry, mais c'est du curcuma. Ouais. Ils ne savent pas ce que c'est que le curry. Thierry est réunionnais. Et pourtant, le curcuma, c'est la base même du curry. Vous connaissez cette recette, du coup? Alors, pas celle-ci, mais j'ai eu le plaisir de. Très bon pour la santé aussi. Le curcuma, c'est un amérique. Mais c'est très bon pour la santé. Quand on a une grippe et tout ça, et on prend un sirop de curcuma, c'est fini. Il paraît qu'il faut lui mettre du poivre avec pour décupler ses. Oui, bon, enfin, c'est vasodilatateur pour les branches, évidemment. Exactement. Un principe actif. Merci. Et ben voilà, on est. Babette, c'est une merveille. Ça sent. C'est magnifique. Mais t'as vu, c'est ton boulot aussi, parce que tu as travaillé. Oui, c'est vrai, tu m'as fait bosser. Tu as travaillé, voilà. Combien de temps de préparation? Là, j'ai fait ça le temps de l'émission. Ouais. Et d'ailleurs, bonne question. Le temps de l'émission, c'est fait. On n'a pas, pas parlé du goût, mais on l'utilise dans le marketing sensoriel, le Le goût, effectivement, c'est en train d'arriver aussi dans le marketing sensoriel. On voit de plus en plus de corners, pareil, comme ça, où on nous propose de goûter les produits, exactement. Eh oui. La sauce des burgers. Là, ça marche, on a envie d'acheter, là, direct. C'est ça, une odeur. Quand vous sentez une bonne odeur de café, vous avez envie de boire un café. C'est subliminal. Un petit mot de votre livre, toujours se relever. Toujours se relever, oui, parce que tomber, tout le monde peut tomber, mais se relever tout seul, ça, c'est vraiment difficile. Et ce livre retrace ma vie. J'aime pas parler de ma vie en général, tu vois, jamais la télévision. Tout est là, au moins. Mais là, j'ai voulu expliquer aux gens qu'il faut garder espoir. Si on tombe, c'est pas grave. L'important, c'est de se relever. Eh oui. Et moi, j'ai l'exemple parce que je me suis relevée plusieurs fois pour arriver à être Babette. Ouais. Ouais, maintenant, pense que Babette, elle a toujours elle se relevée. Voilà. Merci, Babette. Merci d'être venue. Merci pour la semaine du goût aussi. Merci, la semaine du goût, ça va être exceptionnel. Et merci, messieurs. Ça vous a plu? À bientôt. Oh, mais il a tout mangé. Allez, venez.